Nous sommes dans la région de Merzouga, là où nomadisent des familles de la tribu des Aït Bouni, une fraction de la grande tribu des Aït Rabesh, liées entre elles, quelle que soit la distance, par une solidarité ancestrale et des rites qui fondent leur appartenance. Youssef est orphelin depuis son plus jeune âge. Il est plus à l'aise avec les animaux dont il a la garde qu'avec les humains. عندنا العريس ما عنده لا والد لا امه مسكين لوتيم وكيسرح للناس جا عندي كيسرح ليا شوي قال لي الله يرحم والديك كذب ليا في شي مرة. À 30 ans passés, Aïcha rêve d'avoir sa propre khaïma, son foyer. مشينا للمرأة يعني قبلوا لينا ومشينا للعدود هذاك النهار فرحوا مساكين كل كاملين العروسه حتى هي قال لك جابوا لي الله الراجل وحنا خدمنا الخير نيت وجاب الله فيه كاع البركه ايوا الحمد لله ربي نكون سيدنا نجمع غير يريد وين غوان معنا سيد مزير نغي وين جاوبت نزق دراج جمع نغي قدرات نساسا انت نعطي يمكن نخلصوا L'habilleuse professionnelle vient de la ville. Elle apporte les tenues que portera la mariée. Chez le marié, on prend son temps. La fête ne commencera que tard dans la nuit. On prépare la tente où le mari devra se tenir seul jusqu'à la nuit de noces. On délimite la fourmilière par respect de la nature. Ces journées où elle ne s'occupe de rien, ces journées où tout le monde s'affaire autour d'elle, sont uniques dans la vie d'une femme. Son rôle est de poser en arborant les vêtements et accessoires dont elle a tant rêvé. Les hommes préparent les brochettes de foie bardées de graisse. Les Isnaïen, ou ministres du marié, considérés en ce jour comme le sultan, sont choisis pour leur connaissance de la tradition, leur endurance et leur caractère affable. Ils vont jouer un rôle prépondérant durant toute la cérémonie. Allah'ım sınav ye, Allah'ım sınav ye.
Les gestes et paroles de la mariée doivent être mesurés. Même si on essaie de la faire rire, elle doit garder une grande retenue. Les Isnaïennes vont chercher la mariée en lui apportant les cadeaux du marié. Les pétards ont remplacé les coups de fusil depuis l'interdiction du port d'armes. Là, on ne doit plus voir le visage de la mariée jusqu'après la nuit de noces. La mariée prend son repas, cachée sous un drap. Après le dîner, toujours sous le drap, des femmes de la tribu vont commencer à préparer la mariée, comme le veut la tradition. Dans une babouche, on cache une épingle que le marié doit trouver avant consommation du mariage.
Les lanières autour des doigts sont une protection contre le mauvais œil. C'est le spectacle. Comme dans un théâtre sans cloison, les scènes se juxtaposent ou se superposent sous un éclairage unique qui délimite les actions dans la nuit du désert. Le frère de la mariée doit la porter. Dans un esprit ludique, les hommes de la famille de la mariée empêchent les Isnaïennes de l'emmener. Ils peuvent leur demander ce qu'ils veulent pour les ridiculiser. Là, il est demandé que l'un d'eux joue le rôle de la femme en dansant. Le père de la mariée va rester seul pendant les 3 jours que va durer le mariage chez le mari. La mariée installée dans sa tente, on procède à la cérémonie du henné pour le marié. Lui non plus ne doit plus être vu à visage découvert jusqu'après la nuit de noces. Les Isnaïennes préparent un siège pour surélever la mariée. La mariée va faire 3 tours de chameau autour de la tente. L'enfant juché derrière elle augure la fertilité. Yeah.
Personne ne doit voir le marié. Il mange seul avec juste un compagnon. La tente préparée pour la mariée se trouve à l'autre bout. Le mariage est un des rites essentiels qui définissent l'identité de cette communauté. Les rituels ont une forte valeur symbolique. Même si la signification s'est perdue avec le temps, on continue à les répéter scrupuleusement. Pendant que tout le monde dîne, la mariée est emmenée discrètement chez le mari. Puis, on la ramène après consommation du mariage, avant le lever du jour. السلام عليكم. وعليكم السلام. على السوق. من فيس خمورنا. لاباس. بخير. فيس خمورنا بلدي. بخير. السلام عليكم. وعليكم. Durant toute la matinée, les invités, hommes, femmes et enfants, vont venir féliciter le marié qui leur offre des amandes. Bismillah. انا صحاغ النساء كنت دن النساء اللي يان طمغر النساء نقوم شو مقعد لحم ايدا 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 صحاغ النساء دولا انا النساء يسوى الناس مبيت نساء النساء مغاشي كانت خان تا التلفون القنوطار اشتشن الغمان اللي تاشن قايد نساء Toujours dans un esprit ludique, on attache la mariée à sa belle-mère. Là, une autre personne joue le rôle de la belle-mère.
La mariée jette des amandes. Puis c'est au tour du marié. Le beurre fondu présage l'abondance. Dès le lendemain matin, Youssef a repris son travail. Mais aujourd'hui, il est pressé de rentrer. Car aujourd'hui, quelqu'un l'attend.